Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine numéro 22 de la collection Marvel de chez Altaïa, les bus de collection, avec le personnage de La Vision. Effectivement, dans le comics, le personnage s'appelle La Vision, contrairement au film où il l'appelle tout simplement Vision. Personnage que je n'attendais pas spécialement, que j'avais pas réellement envie de prendre, mais bon, quand je l'ai vu chez le marchand de journaux, il m'a plu, donc je me suis dit, bon, je vais la prendre pour le délire. Voilà, c'était plus un achat compulsif qu'autre chose. Comme d'habitude, vous avez le petit fascicule qui va avec, donc qui vous explique qui est le personnage, une petite bande dessinée sur lui, ses alliés, ses ennemis, sa première apparition en 1968, la dernière en 2011. Et son Roy Thomas, qui doit être son principal dessinateur. Avec ça, toujours, comme d'habitude, un petit papier qui vous atteste de l'authenticité de la figurine, avec un poids de 250 grammes pour 116 mm, 11 cm et demi. Oui, c'est quasiment toujours dans le même jeu de taille, hein. Mis à part certaines qui sont beaucoup plus grosses, comme le Hulk. Généralement, c'est à peu près la même taille. Donc, nous allons voir ce que ça donne. On va voir si elle est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hop, on ouvre le bouton. Alors. Ouais. Bon. Alors, au niveau de la modélisation, il est pas mal. Sincèrement, il est pas mal. Par contre, là, je remarque, ils sont totalement foirés sur la peinture, quoi. Là, on voit des coulures noires. Ça fait mal, hein, ça fait wow. Ah là, ils ont déconné en fait, hein. Ouais. Alors, je sais pas si vous le voyez bien sur le truc, mais là il y a des petites coulures noires ici là. Ah, ils ont totalement foiré la peinture. La modélisation du perso est très belle. Elle est franchement bien réalisée. Par contre, on voit au niveau des écarts, même au niveau des abdos, comment dire, que la peinture elle a foiré quoi. Là, même sur le verre là, sur le losange ici. Niveau de la main, il y a du noir dessus. Du noir dans les doigts et tout. Ah non, franchement, là je voyais un petit peu plus déjà brillant par rapport à. Ah ouais, puis derrière, oh là là, là il y a de la coulure là, ici. Ouais, bah franchement là, ça c'est. Là je sais pas, est-ce que ça a chié pendant le voyage? Là il y a une tache et tout. Là franchement, sur celle-là, ils l'ont bâclé quoi. Voilà. Alors est-ce que c'est une couche qui passe après et qui a fui ou. Mais là, c'est vraiment dommage quoi. Ça gâche le délire. Bon, on peut dire que ça peut être dû à un effet d'ombrage, mais ouais. Ouais. Bah, franchement, hein, j'attends mieux. Hein. Celle-là, déjà, je voulais pas spécialement la prendre. Je suis un peu déçu au final. Voilà, peut-être que je la revendrai. Ouais, c'est un peu noir là, à l'intérieur. Bon, après, on pourrait dire que ça fait un effet d'ombre, mais c'est pas super bien réussi, quoi. Ils auraient pu faire mieux. Comme d'habitude, vous la trouvez chez 20 euros, à 20 euros chez votre marchand de journaux. Ou sur le site d'Altaïa où vous pouvez la commander ou vous abonner. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre des pouces si vous êtes intéressé, des likes, et à vous abonner. Merci à vous.